Bon matin, les tripeuses trotteuses sont en direct de Rogersville. On a certainement une communauté vibrante, on a des jeunes qui sont revenus. Tu sais, souvent on parle d'exode des jeunes. Ben nous, on a des jeunes qui sont revenus, puis les jeunes qui sont revenus sont dynamiques, ils sont impliqués dans la communauté. On fait des partenaires avec l'école, avec le centre de santé, avec... On s'entraide comme ça parce que c'est la seule manière qu'on peut... On peut avoir des services. Vous allez voir dans la communauté de Rogersville, qui est un site qui s'appelle le Monument National, l'Assomption, qui est un site super bien. Ce site-là, ça a été construit, le monument même a été construit par Mgr Marcel-François Richard. C'est là qu'il est enterré. Son tombeau est à l'intérieur. Alors, pour des années, ça a été un lieu de religion, un lieu de nouvelles. Mais les dernières années, nous, on a dit, le site est tellement beau, utilisons-le pour toutes sortes de choses. Alors, l'été, on a, qu'est-ce qu'on appelle, nous, un petit frolic. À Dieppe, ils appellent ça le mercredi chaud, mais nous autres, on appelle ça notre petit frolic. Les mercredis soirs sur le terrain du monument. On a du yoga plein air sur le terrain du monument. On a de la méditation. On a toutes sortes de belles activités qu'on fait sur le site parce que c'est tellement beau. C'est un site qui est très populaire. Les gens, ils vont beaucoup marcher, réfléchir. Il y a encore l'aspect religieux. Puis ça, ça sera toujours là. Mais comme ça a été construit par Mgr Marcel François Richard, il avait nommé l'hymne national, l'Ave Maria Stella. Il avait nommé le drapeau tricolore avec l'étoile pour le drapeau national de l'Acadie. Il voulait un site où les Acadiens pourraient se regrouper. Alors, c'est de là que le monument a commencé. Alors ça, c'est un très beau site. On est fiers de cet héritage-là dans notre communauté. On a aussi, comme je l'ai dit tantôt, toutes sortes d'activités qui se produisent durant l'été. Puis tout de suite, on a un jeune couple qui est revenu dans la région de Montréal qui va développer un café dans la gare Villa, puis ils vont appeler ça Forest Station. Forest Station, Forest Station. Mais leur café, il va avoir, ça va pas juste être un commerce, ça va être un commerce social. Puis c'est des choses qu'on n'a pas dans le Nouveau-Brunswick. Mais eux autres, ça va être un commerce social. Alors, ça va être un commerce qui va travailler beaucoup avec la communauté. Disons que moi, je vais aller faire du bénévole au café, je vais aller faire du bénévole au bout de l'année. Le propriétaire va dire, tu as fait X nombre d'heures de bénévole, moi, je vais donner ton salaire à quel organisme que tu veux que je donne ton salaire. C'est des choses comme ça qu'ils vont faire. Ils vont aussi travailler avec la banque de bénévoles dans la communauté. Ils vont faire des partenaires avec, on est en train de créer la médecine sociale. Ils vont faire des partenaires avec la médecine sociale. On pense que c'est tout un aspect nouvel dans une communauté rurale qui pourrait faire beaucoup de chemin. La cérémonie du 11 novembre a lieu ici, juste en face du monument Assomption. Nous sommes présentement sur la scène qui se retrouve sur le terrain du Petit Frolic. C'est ici qu'habituellement ont lieu les spectacles. Un petit fait intéressant, c'est ici que Lisa Leblanc a fait ses tout débuts. Un autre fait intéressant, tout juste devant la scène, se retrouve l'école de la région et Lisa fait ses études à cette école. Et en son honneur, ils ont fabriqué la salle Lisa Leblanc, qui est un cafétorium.
Pour ceux et celles qui voient mon t-shirt qui s'appelle Femme Forte, le programme Femme Forte, c'est un programme qu'on a commencé dans la municipalité de Rogersville quelques années passées, puis on est très fiers du programme. Une madame qui était soudainement devenue veuve, une journée parlant avec sa nièce, elle a dit, il y a tellement de choses que je ne sais pas comment faire depuis que mon mari est parti. Puis ça, ça a déclenché une idée avec notre directrice générale. Puis elle a dit, ben, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire. Alors, on a commencé le programme Femmes Fortes. On a réuni des femmes de tout âge dans une salle. Puis on a dit, c'est qu'est-ce que vous aimeriez d'avoir comme atelier? Et il y en a sorti une liste, moi je vous dis, c'était incroyable. Des choses que je pensais jamais, faire des confitures, faire un jardin, changer l'huile de son char, toutes ces choses-là. Puis, on a fait demande d'un petit programme avec la province, puis on a eu 5 000 $. Tu peux aller loin avec 5 000 $, je peux vous garantir ça. Notre programme, c'était 3 ans passés, puis notre programme, il va encore. On a gagné le prix de la AFMNB pour, ça fait 2 ans, je pense, ouais, le prix innovateur de l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick. On a aussi donné beaucoup, beaucoup d'informations à d'autres municipalités qui voulaient commencer le programme Femmes Fortes. Alors, ils ont appris à jardiner, ils ont appris à prendre garde à des autos, ils ont appris à autodéfense. On a eu des programmes sur la santé mentale, sur la nutrition, sur l'exercice, sur la méditation, sur le yoga. Je pourrais nommer, puis nommer, puis nommer. On avait des ateliers qui avaient 2 personnes. On avait qu'il y avait 30 ou 40 personnes. Mais c'était pas ça le point. Le point, c'était de donner, puis c'était tout gratuit. Puis les gens qui donnaient les ateliers étaient tellement embarqués dans le programme que souvent, ils nous disaient, regarde, on veut rien. On veut juste donner l'information. Alors, on a encore le programme Femmes Fortes, puis on accepte même des hommes, des fois, à nos ateliers, si c'est un atelier qu'on pense qu'il va intéresser tout le monde. Alors ça, c'est une chose qu'on est très fiers, ce programme-là. Chant et ainsi de suite, non? Ah, bien sûr, supposé que non.